L'idée de base de Permafungi, c'est de recycler du marc de café pour produire des champignons. Le champignon, c'est la magie de l'histoire, va transformer le marc de café en compost. Ce compost, à son tour, on va l'utiliser pour faire pousser des chicons. On va aussi l'utiliser pour créer des matériaux biodégradables. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler chaque fois en boucle plutôt que de prendre quelque chose et puis de le jeter. La première étape du processus de production est l'inoculation. En gros, c'est préparer la nourriture, le substrat qui permet aux champignons de se nourrir. Et chez nous, il est composé de marc de café et de paille. Donc la première étape, l'inoculation, on va mélanger le marc de café, la paille et le mycélium qui est l'être vivant qui donne le champignon. La deuxième étape de notre production de champignons est l'incubation. C'est laisser le mycélium manger le marc de café et la paille, manger le substrat. Et finalement, la troisième étape de production, c'est la fructification, c'est faire sortir le champignon une fois que le mycélium a colonisé tout le marc de café. Les partenariats pour Permafungi sont essentiels. Ça permet notamment d'avoir la ressource du marc de café. Donc à Bruxelles, le marc de café, c'est une ressource ultra abondante, 15 000 tonnes par an. Et on a notamment un partenariat avec Exki, un partenariat avec Le Pain Quotidien, qui nous permet chaque jour d'avoir du marc de café bio, c'est important pour produire les champignons bio, et d'avoir aussi du marc de café qui est propre tous les matins. En fait, Permafungi, qui était déjà présent ici dans les caves de Tour et Taxi, ont entendu que nous allions ouvrir une boulangerie-restaurant à Tour et Taxi. Et vu leur besoin d'avoir plus de marc de café qualitatif et biologique, ils nous ont contactés en demandant si nous étions intéressés. Et pour nous, c'était un win-win directement. Quotidiennement, le marc de café est récupéré en fin de journée dans des sacs biodégradables à base de fécule de pommes de terre. Il est ferme dans des conteneurs et tous les jours, vu que notre pain est cuit frais la nuit et est livré chaque matin, les boulangers reviennent avec le marc de café, le ramènent ici à Tour et Taxi afin que Permafungi puisse justement l'utiliser comme engrais pour cultiver des produits qu'on va réimplémenter dans notre cuisine. La vision court terme de Permafungi, c'est de montrer à Bruxelles que le social et l'environnemental peuvent non seulement cohabiter avec un modèle économique, mais surtout le renforcer. La vision long terme, c'est une fois que le business model est démontré à Bruxelles, de le dupliquer, de le faire dans d'autres villes, en Belgique et à l'étranger.